Voilà, première mission de fait, plutôt sympa pour expliquer un petit peu le bordel qui est en Chine. En gros, le yin et yang serait brisé. Enfin, l'équilibre. Donc, on est parti pour la seconde campagne, la seconde mission. Vers l'ouest. Clans in the area are hostile to us. We will have to fight our way through. A mountain fortress is blocking the way. We will need siege weapons to destroy them. Il vient d'entourer les animaux, c'est ça. Ok, on a encore nos deux personnages là. Alors, on va envoyer nos héros sur l'albardier. Oh, capacité du général. Alors, on va essayer de se concentrer sur le même. La capacité rappelle Ajax un petit peu dans l'idée. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a au prochain haut d'Albardier? On embarque tout le monde là. J'ai une idée de ce qu'on va faire. Le cri de ralliement vise un groupe d'humains pour remplir les rangs. Bonjour, Albardier. Ben, 5 Albardier, 8. Ça peut être utile ça. C'est la cavalerie d'éclaireur, mais bon, on se méfie. Ok. Le halbardier, il faut se bouger, monsieur. Toi, viens m'aider là. Ok, bien joué. Oh, des chuconous, il n'y en a pas qu'un peu. Je vais envoyer les ronds en première ligne comme ils peuvent se régénérer un peu. Dommage qu'on n'ait pas de cataphracte. Allez, contournement direct et on y va, go go go. Ah, l'un de nos héros est tombé, dommage. Allez, abattez-les, on a le dessus, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Archer monté, ça craint quoi? De la cavalerie! Alors attends. Contrer avec archer. Bah on va faire des chuconos en plus alors. On va en avoir 14. Un petit halbardier en plus, ce sera pas de refus non plus, tu me diras. La cavalerie et eux, c'est mort. Je savais pas que les Chinois avaient des archers montés, mais bon, c'est pourquoi pas. Hein. On en a bien vu dans Free Kingdom, donc je pense qu'on me posait la question. Allez, go. S'ils se concentrent sur une cible, il y a moyen de faire très très mal. Deux sont blessés, bon ça devrait le faire avec le nombre de choukounous qu'on a. C'est très bien. Cataphracte moyen, logiquement c'est... des archers montés.
On a une poignée d'albardiers dans le doute. Je vais quand même mettre mes héros. On va essayer de faire l'appât et de la tirer au compte-goutte. Ils peuvent tirer en mouvement ou pas? Eh, ça fait mal, hein. Ah, ils peuvent pas tirer en mouvement, ça c'est dommage. Bien joué. Ah, il en reste encore un, l'autre cataphract. Bien joué. Et là, il reste quoi? Il reste des albardiers, ouais. Et ça nous apprend aussi par en même temps le contre de chaque unité. Qui ont 4 immortels et des albardiers, ok. On a un peu de ressources encore, c'est toujours utile. Là on a le support, on envoie la cavalerie des clores derrière. Là on les sature, on les a eu, c'est bon. C'est quoi ça? Oh, les fameux guerriers anti-Hercule de l'empereur. En avoir 4 ici. Alors en vrai, avec nos héros, on pourra se mettre bien. Ils sont costauds contre quoi en général? Bon, ça va. Petit, venez voir papa. Ça me rappelle un peu les automates des Atlantes, perso. Oh, des moines. Attends, les moines ça craint quoi? Bah écoute, on va former un de ces trucs, hein. On va envoyer nos héros, on va pas s'emmerder, hein. Ils disent soldat une main, mais je crois que les moines, si c'est comme dans Age of Empire, à mon avis, les conversions, ça risque d'y aller, si vous voyez ce que je veux dire. Concentrez-vous sur un moine. Il tape fort quand même, c'est con. Allez, on embarque 2 moines supplémentaires. Héros efficace contre les unités mythiques. Allez, go. Ça nous fait une bonne petite armée, ça. Et là, c'est des locaux amicaux. Lui, ça sera utile. Détruisez la forteresse dans les montagnes, construisez un château pour former des armes de chien comme les lance-feux et les tigres assis afin de venir à bout des défenses adverses. Ok, il va nous falloir des ressources. On
peut pas aller à l'âge suivant. J'ai déjà fait un truc de noix et ça aussi. Donc nos prêtres peuvent soigner, ça c'est bien. Donc on va en mettre 3 là, on va en mettre... J'ai plus de bois du tout. Ah. Bon, on va faire du bois en priorité. Donc on va essayer de former une armée assez conséquente pour aller taper tout ce petit monde. Là je vois qu'on pourrait faire une petite base avancée aussi avec un peu de bois. Ma cavalerie d'éclaireurs là je vais la regrouper. Je serais pas étonné qu'il vienne nous attaquer très souvent. Oh ça, ça peut être très utile, l'écriture des os d'oracle. Les unités forment moins cher et formées plus rapidement. Ouais, on va le prendre, allez. J'ai envie ma cavalerie explore un peu le coin. On a une bonne force cavalerie, là ça devrait être utile. Le lion, on va le laisser en réserve avec notre infanterie. Mes héros, je les ai envoyés au deuxième forum. On a une bonne vitesse, ouais. Donc on en a 10 au bois, ce qui est largement assez, je pense. Je vais faire un autre puits de stockage. Là, on est pas mal. Par contre, il faut trouver un passage, à mon avis. Oh, il y a un col là. Oh là là, ok, on a localisé une entrée. Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'ai bien fait d'envoyer mes immortels ici. Par contre, je vais peut-être regrouper mon armée là, finalement, tout simplement, bah, parce qu'il y a une entrée. Je pense que je ferai mes forteresses là pour être tranquille. J'ai commencé à buffer mon économie pour mieux m'en tirer. Oh, il y a encore un truc pour les fermes, ça peut être utile. On a pas mal de maisons déjà, c'est cool. Oh, ça peut être rigolo. Obsèque, convertir des ennemis plus rapidement avec les moines. Il aurait pu avoir un succès quand même pour le faire. Ça aurait été rigolo. Je peux faire un château. On va le faire ici. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? On a de la visite. On n'a pas de tour dans le coin. Point de tour. On va mettre nos héros en première ligne là. Notre cavalerie d'éclaireurs pareil, nos archers montés là. Ok, il y a une autre entrée quelque part. Il y a une autre porte quelque part. Bon, on va déjà la fortifier ce secteur. Je vais mettre une tour ici, comme ça. On sera bien. Je vais tout de suite faire la maçonnerie pour renforcer les points de vie de mes bâtiments. Voilà. Au moins, on pourra avoir déjà une petite idée de ce qui se passe. Donc le château, ça a proqué. Alors on a quoi? Lance de feu moyenne, efficace. Contre les archers et les bâtiments. Tiens, tiens. Je savais pas que ça existait, ces unités. J'ai appris quelque chose. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à explorer dans le coin. On sait jamais.
Ok, l'autre il fait de l'exploration, mais attention quand même. Je vais faire quelques jardins. Tiens, je peux pas en faire autant que ça des jardins. Ah ouais. C'est un archer monté. Les archers montés, ça craint les archers. Bon, j'ai renforcé les points de vie, j'étais plutôt astucieux. Je vais faire tout de suite ça. Et je vais faire ceci, comme ça nos soldats d'académie seront encore plus puissants. Parfait. Ah, il y a d'autres archers montés qui se pointent, c'est quoi ça? Il y en a un là, attention. Ça y est, premier, les Shukumi ont été améliorés. Ah, ça y est. Oh, on a des visiteurs. Attention. Aïe, il a eu mon archer monté, bien joué. Écurie moyenne, allez, on améliore nos troupes là. J'explore, il y a un passage, c'est pas possible. Bon bah lui il veut passer, je lui souhaite bien du plaisir. Donc là ce passage l'amène à la forteresse. Ou oh, attends, il y avait un truc rouge là. Parfait. Ok, il y a une autre forteresse, il y a une autre porte là, d'accord, je comprends mieux. On va faire des forteresses. Hein. Donc vous 4 là c'est bon. Parfait, bien joué. On va faire une autre forteresse pour contrôler ce point. On a deux autres immortels là. Ensuite, là on va explorer. Il y a peut-être des reliques hein, sur la carte, je sais pas, je connais pas du tout. Bon, on va jeter un œil. Pas mal du tout. Et après on fera l'académie, on va avoir besoin d'eux là de toute façon. On a de l'or ici, ça c'est pas mal. Ok, on a un petit lac là, tu me diras. Parfait. Maintenant, on va contrôler un petit peu d'où ils viennent. Est-ce qu'on a la tour en... les créneaux, on va le faire tout de suite. Là, on est en train de faire la tour de guet. Après, on passera en tour de garde. Là, on n'a plus d'or, c'est embêtant. Il y avait une autre mine là-bas, on va aller l'exploiter. Bien. Bon, pour le moment, nos défenses tiennent. Je vais peut-être faire une armurerie quelque part. Pour avoir un petit peu de boost, hein, ça peut servir. Il y a pas mal d'or ici, ça c'est très bon à savoir, les deux spots. Ah, ça y est. Ça commence à envoyer des choses plus costauds là, c'est bien. Parfait.
Bien. Bien joué, c'est très bien joué. On va reculer tranquillement, sagement. Bon là, cet éclaireur va pas faire mon feu. J'ai tout de suite fait le truc du Dabogon pour augmenter la génération de ressources. Hop, on va tout de suite améliorer ça. Un marché. J'ai envie de te dire, je vais foutre un marché là-bas. Tigrassis, c'est quoi? Ah, ça, c'est un Picsou, ça n'a rien à voir. Bon. Pour le moment, c'est pas mal. On tient bien la zone. J'ai peut-être envoyé des Shukonu faire un petit tour là. Ils galèrent hein, les deux. Allez, on passe à l'académie lourde dès que possible. Bon, ok, ça attaque. Alors on va faire 10 caravanes, enfin déjà 5-6 pour commencer, pour se faire le plus d'or possible. Donc là il n'y a pas d'autre entrée dans le coin, ok. Donc là on contrôle tranquillement. On va augmenter la résistance au tir quand même. Par contre les lances de feu ça coûte quoi? Ressources, ça coûte du bois et de l'or, ok. Là, avec le trajet qu'on va se taper niveau caravane, on va se faire beaucoup d'argent. Allez, on recule. Allez, il est temps de passer à l'infanterie lourde. À mon avis, ça, il faut bien les masser, je pense, les lances de feu. Mon temple, il est où? Je vais aussi refaire un second lion. Alors, ça rapporte combien, admettons? Eh, 144, hein, la caravane qu'on fait là. Parfait, on va reculer sagement. Et on va commencer à stacker les unités là. Shukonu lourd en plus. Magnifique. J'ai envie de te l'envoyer. Hop, on recule sagement. On n'a pas encore fait ces armes là, hein, je rappelle. Ça, je vois la vitesse. Ils ont 360 de base. Alors si on rajoute ça, ça fait quoi, admettons? Ça a pas l'air mauvais hein, niveau satat. Alors on va racheter de la bouffe puisqu'on a l'économie qui nous permet. Je vais faire tout de suite ça,
Et infanterie lourde déjà pour eux. Et ensuite infanterie lourde pour nous. Parfait. Alors ils ont se distingué une unité et ça, ok. Donc là pour moi on contrôle les points, mais là il va peut-être pas falloir traîner pour passer à l'attaque. Je pense qu'on va amasser une douzaine, on va tester un petit peu. À quoi que... Général, cavalerie qui peut augmenter le moral des troupes. C'est une unité de buff ça en gros. On va en tester hein, pour voir. Et ça a l'air d'être efficace contre les archers ces trucs là, c'est ce que je viens de lire. Ok, alors on va faire un petit test. Les prêtres, vous allez venir là. Oh, oh, ça les déglingue. On va tester un petit peu sur leur tour. Donc là, je vais me mettre en position. Eh, ça a l'air plutôt efficace comme truc. Allez, oust. Eh, ils sont que 4, mais ils font le boulot. Ah, j'en ai perdu un. Il va falloir être prudent avec eux, c'est ça l'idée. Les prêtres, vous allez venir nous aider, merci. On va reculer notre général sagement. Alors, on va se soigner. On va essayer de masser un peu plus de... On va reculer, recule. Allez, on tente. Abattez-moi cette tour. Oh, c'est efficace aussi contre eux, c'est bon à savoir ça. Je crois qu'on va aller essayer de déglinguer ce truc là. Reculer, reculer. On a pris beaucoup de tarifs ici. On va regrouper nos forces. J'ai pas fait la cavalerie lourde encore. Non, je vais le faire tout de suite. Je vais faire un autre prêtre en plus. Bon, je découvre, hein. Je sais que c'est pas forcément passionnant, mais... non, toi tu vas reculer. Il nous reste quoi à faire en tech là, dans l'armurerie. L'armure de mêlée sera utile, ça c'est obligatoire. C'est quoi ça? Ouais. Ok. On va peut-être pas trop traîner alors. Hein. Allez, go. On va aller défoncer ces trucs-là parce que ça m'inspire guère là. Ok. Donc il faut les défoncer. Très bien. Allez, go, on y va. Allez les gars, on y va, on se met en route. Faut vite les déglinguer ces gus là, je sens qu'ils vont nous poser énormément de problèmes sinon. Reculez, reculez, ils vont nous faire du bobo sinon. Vous allez par là.
Les lances de feu là-dessus. Eh, hey, ça buffe les troupes, c'est bien ça, ça me plaît. Vite par là. Vite, vite, sortez-vous de là, sortez-vous de ce guépier. Maintenant, on va les contrôler un petit peu plus là. Allez, go, 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 go. Lance de feu, c'est à vous de jouer. On va essayer de péter leur économie, comme ça ils vont être ravis. Ok, on va reculer tranquillement. Cataphraclou, vous allez me chercher ce jardin aussi. Moins ils auront du jardin suspendu, mieux ce sera, je pense. Et ils ont l'air d'encaisser les dégâts, les deux, là. Ok, on a localisé une forteresse. Oh, ça tape bien, ça, ça plaît. Alors, je vais tenter de tomber une... Oh, lance de feu là-dessus, feu. Oh, ça va bien tomber comme ça. Ça va, ils ont l'air de bien encaisser les tirs. Hop, on va passer comme ça. Ouais, les murs, ils ont pris cher d'un coup. Ok, ok, ça urge. On va pousser alors. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Allez, dégage. Oh, il y a le forum là. Allez, go, go, go. Allez, on se jette sur le fofo. Laissez le général buffer les dégâts. Voilà. C'est bon, notre lion. La mountain base a été détruite. G's temple must be near. Look, there, up in the sky. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? The fuck? I hope that genie has made it out alive. We need to find him. Bon, c'était un scénario assez curieux, le numéro 2, mais c'était plutôt sympa.